Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'édition Chita de Nouvelle Sa qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info, quel que soit votre branché. Nous disons bienvenue sur le canal d'information sans fausse côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nos amis des spectateurs, nos amis internautes, pour nous présenter l'édition Nouvelle Parole. Je vous dis à nous en week-end. C'est l'édition spéciale week-end qui entre la caillou. Côté, nous venons pour apporter pour puis gros point qui était dominé. Actualité à pendant la semaine. Donc, pendant la semaine, tu as gagné en pile gros informations qui t'a dominé actualité à dans le pays d'Haïti et qui t'a fait buzz. Eh bien, d'abord, on a dérapé avec la guerre ça qui pétait dans la Cité Soleil entre deux groupes armés qui c'est G9 avec GPEP. Côté, eh bien, yo a pour quelques coups d'âme entre eux, dans le sens ça, gagné en pile monde qui mourit, en pile monde qui blessé, gagné yon la guerre chiffre qui eh ben déclaré là tout côté chaque institution, personnalité, dans cité a institution droit monde qui d'ailleurs cap défendre droit monde, eh bien yon même yon chaque bail chiffre pa yon quantité monde yon estimé qui t'a mouri dans Cité Soleil. Donc d'après Donc, organe qui relaie au commissariat des Nations Unies pour défense droit moun, sorti 8 pour arriver 12 juillet 2022. Eh bien, la guerre gang ça dans Cité Soleil fait gagner 234 moun qui mourit ou bien qui blessé dans violence gang améo dans Cité Soleil d'après donc au commissariat des Nations Unies pour défense droit moun. Pour OCHA lui-même qui c'est yon lot instance dans Nations Unies lui-même pour lui-même sorti 7 pour arriver 14 juillet 2022 a gagné donc 99 moun la guerre gang améo et touyé donc dans Cité Soleil et puis gagné tout 135 moun qui blessé avec environ 20 l'autre moun qui disparaît d'après OCHA qui c'est une autre instance Nations Unies. Toujours d'après OCHA, gagné en pile violence dans cité à côté gang améo violé en pile femme actifi dans cité Soleil, ça qui la cause gagné 2500 familles qui déjà couru quitter cité Soleil, qu'al chercher côté pour qui si qui côté y a besoin pour abriter yo pour prendre un petit campo l'esprit après bribal mais qui passe span tiré dans tête yo qui fait en pile moun mouri nan mitan yo amis téléspectateurs amis internautes côté gang armé qui attaquer kayo fait yo obligé courir quitter cité a gagné déjà ou pipiti 125 kay qui déjà boulé nan cité soleil pour magistrat cité soleil là Joël Casséus qui t'a intervenu sous plusieurs médias dans la capitale là pendant événement yo pendant semaine là il fait qu'on a gagné plus passé 75 moun qui déjà mouri sans compter quantité moun qui blessé dans la guerre ça qui pété entre un groupe armé G9 avec GPEP amis et spectateurs amis internautes magistrat rappelé donc parmi moun qui blessé yo gagné en pile nan yo qui pas même capable al prend soin sous cabane l'hôpital puisque gang améo empêché yo sorti tout pour y aller prendre soin donc magistrat fait connait moun yo coincé en dans cité soleil yo pa gen manger pour manger pa gen d'eau pour boire pa gen rien dans cité a y a mouri asphyxié à grand goût à pénurie toute qualité alors que l'état haïtien fait même bouche li pa di rien gagnent réseau national dans même sens là réseau national cap défendre droit monde RNDDH dans pays d'Haïti il fait connait dans cadre d'un rapport sous forme mon communiqué il était publié dans la semaine là donc déjà gagnent 89 monde qui mouri dans cité soleil dans cadre de la guerre entre groupe améo 16 monde disparaît gagnent donc 74 monde qui blessé 21 moun mouri krokrané nan camp bandio d'après RNDDH et puis gagné 125 kay ki boulé d'après rapport RNDDH là donc RNDDH qui déplorait le fait que l'état haïtien pas intervenu à travers police nationale d'Haïti pour que li mette l'ordre nan désordre ça nan la guerre ça nan génocide ça qui gagné
nan Cité Soleil côté en pile citoyen paisible a perdu la vie aux amis téléspectateurs, amis internautes. L'autre information